L'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth, le premier responsable du ministère de la compassion des arts, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bien-aimés, ce soir, sous vos acclamations, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète Joël Grasson Shalom, que nous acclamons plus fort. Plus fort, 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 plus fort. Acclame Jésus, continue d'acclamer. Continue d'acclamer le Seigneur. Acclame plus fort Jésus-Christ. Acclame plus fort Jésus. Acclame plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Amen. Amen.
qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le Dieu que j'ai pris, on l'introduit dans la louange. Il dit c'est dans la louange. Pour introduire Dieu, pour introduire un programme. Et nous le louons. Parce que c'est quand il est loué qu'il déploie sa puissance. Pio, pio, pio. Pio, pio, pio. Jésus est plus haut. Qui est d'accord que Jésus est plus haut? Celui qui n'est pas d'accord de la souveraineté de Jésus, c'est un sorcier. Tu veux ou pas, Jésus-Christ est ressuscité. Ça ne dépend pas de moi ni de toi. Dieu l'a ressuscité. Il a su la croix du Père. C'est pourquoi j'ai décidé de croire en lui. Satan écrasé. Nous nous combattons le diable à visage découvert. Parce que lui, son travail, c'est de nous combattre. Tu ne parles pas de lui, il te combat. Tu parles de lui, il te combat. Bon, donc on a décidé d'appliquer le psaume 35. Combat ceux qui me combattent. Donc on le combat. Plus bas. Tu sois humilié. Jésus a connu l'ignominie, la plus haute, la plus grande honte qu'on appelle l'ignominie en français. Jésus l'a connu, la plus grande honte. Il a été mis nu à la croix pour ne plus que tu sois humilié. 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 En lui-même, on s'en fout de lui. Come on.
Jésus est présent. Jésus est présent. Je me tiens au milieu d'eux. Nous sommes là pour célébrer sa souveraineté. Il est puissant, il est au-dessus de la sorcellerie, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de toutes sortes de problèmes. Il est présent parmi nous pour résoudre nos problèmes. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'il est là. Allez, assez.
Dieu est souverain, il a toutes choses. Dieu aime la reconnaissance. Il aimerait que nous disons merci. Ça lui fait du bien. Qu'elle a guéri les 10 lépreux. Il y a un seul qui est venu. Elle lui dit merci. Il a dit et les 9 autres. Le Seigneur aime la reconnaissance. On paye toutes les factures d'eau courante.
Même quand tu as réanimation, leur sujet quand tu dors, quand tu aides à respirer, est facturé. Mais toi, tu respires sans facture. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est pas une question de crasso, c'est une question de Dieu. C'est tout. Le jour où il va te arrêter, te retirer le sou de vie, personne ne pourra lui demander quoi que ce soit. Même les scientifiques convaincus qu'il ne peut pas donner la vie à un mort. Dieu, il est souverain. Tu n'es pas mort, pas parce que tu es meilleur. C'est une grâce. Et quand on dit grâce, c'est un don immérité. Or, si tu fais la grâce, c'est pour le louer. Dis à quelqu'un, loue le Seigneur. Dis à quelqu'un, loue le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, loue le Seigneur. Amen. Dans la définition de la louange, c'est-à-dire être reconnaissant à quelqu'un. Je te loue. C'est-à-dire que tu es reconnaissant. C'est ça la louange. Et quand on est reconnaissant, ça ne poursuit pas des actes. Oui. On n'est pas reconnaissant seulement dans le cœur. Il faut poser un acte. Ah oui. Quand tu es reconnaissant, pose un acte. Quand quelqu'un dit il est reconnaissant, tu ne le vois pas, tu ne poses un acte, tu doutes de ce qu'il reconnaît ce que tu as fait dans sa vie. Sur ça que les 10 qui ont été guéris sont partis. Chacun dit merci dans le cœur. Mais il y a une personne qui est venue dire merci. Jésus a reconnu que ce monsieur était sincère. Ce qu'il fait pour nous, le mot merci est insignifiant. Ce que nous pouvons faire, c'est de le louer davantage. Parce qu'il est bon. Amen. Dis parce qu'il est bon. Sorcier mange chaque jour, t'as pas encore mangé. On t'a pas encore mis dans une sauce jumblée. Un foutu manioc. Foutu nyam, tu manges. C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort notre Dieu? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est merveilleux. Notre Dieu est trop merveilleux. Vous allez me permettre de rentrer un peu chez moi. Dans ma région un peu. Et moi, c'est que waouh, à quoi il est? Il est allé un peu là-bas. Après, on va revenir. Après, on va revenir à Kangesson. J'informe le public, je suis chantre. Je suis chantre. Les 5 albums. C'est confirmé. Mais qui passe à la télé? Oui. Je suis auteur-compositeur. Je sais bien chanter en baoulé, je sais bien chanter en baoulé. En Jésus. Et bien, je suis pour Daga. En Jésus. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Ma pio, n'est-ce pas, ni non, la Si cette terre, dans ce monde, il n'y a pas plus puissant que le Dieu Jésus-Christ que j'adore. Il n'y a pas.
Il est comparable. Sur cette terre et dans ce monde, il n'y a pas plus puissant que Jésus que j'adore. Ma béo, yébé do ané non akala to uslo yébé. Ma béo, yébé do ané non akala to uslo. Elie la kosia ziliwa uo. C'est-à-dire grand, il est puissant. La Ozi, il est fort, il est puissant. Ziliwa, c'est-à-dire les fétiches. Tout ce qui est fétiché, la sorcellerie. Dieu que j'ai pris au-dessus de tout ça. Elie la Gosia, Ziliwa. Thank you.
Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les musiciens? C'est les meilleurs de leur génération. Acclamer les musiciens. Souvent les oublie, mais ils jouent un rôle très important dans l'œuvre du Seigneur. Ils louent le Seigneur, c'est vraiment très important. Ce sont mes musiciens. C'est avec eux que je fais toutes les tournées. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Dieu, il sait dans l'amour de chanter des cantiques nouveaux. C'est pour ça que nous, on chante plus brûle-moi, brûle-moi. Assemblez, louons le Seigneur. Elie la Gosia, Ziliwa Awu. Elie la Gosia, Ziliwa Awu. La Bible dit de chanter des cantiques nouveaux au Seigneur. Pas des vieux cantiques. Il faut innover dans la louange. On aime trop chanter en français. Chez nous, on peut chanter en louer le Seigneur dans nos langues. Nous avons des belles langues. Amen. C'est pas les blancs qui savent chanter. Nous savons chanter dans nos langues. Nous aimons Jésus, nous l'avons accepté. Et nous savons l'adorer et le louer. Nyame ole o ole ole nyame ole o ole ole nyame ole o ole ole nyame ole o ole nyame ole o ole Brûle-moi. Qu'est-ce qui va brûler? Tu es poisson, carpe ou bien? Moi, demain, je brûle, tu te brûles. Si tu brûles tôt, t'as cramé. Quelqu'un qui brûle trop, il finit par cramer. Dieu est la présence, qu'on peut l'acclamer. Alléluia. Je déclare que ce soir, c'est le jour de ta délivrance. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je déclare une parole que tu seras délivré cette nuit. La puissance de Dieu viendra te délivrer. La puissance de Dieu viendra te délivrer cette nuit. Cette nuit est ta nuit, la nuit de la libération. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Que tu veux ou pas. Dieu a pris ce décret. C'est un décret, il a signé. Pour ta libération, tu seras libéré cette nuit. Viens t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on pleure. Il y a un temps où on se lamente. Et puis il y a un temps où Dieu nous délivre. Tu as trop pleuré. Tu t'es trop lamenté. Je déclare la parole. C'est le temps de ta délivrance. Le temps où tu vas sourire. Où les murs de la méfiance seront brisés. Où tu marcheras si les œufs des ténèbres. C'est cette nuit. Soyez bénis. Tiens quelqu'un, tu es béni. J'espère que j'ai un peu vivant parmi nous. Vous êtes vivant, j'espère. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Amen. Hier, je vous ai conté mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma vie.
Voilà, tu n'es pas obligé de croire, mais moi c'est ma vie. C'est ce que j'ai vécu avec Jésus. Tu n'es pas obligé de croire, c'est moi et Jésus. C'est mon histoire. C'est pour ça que dans toute prédication, je commence par mon histoire. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, dans le christianisme n'existait rien seulement. Je suis devenu chrétien quand Jésus m'a miraculeusement guéri. Il m'a démontré à plus peu que c'est lui la solution et que celui qui guérit encore. Je me suis converti. Je lui ai donné tout mon cœur. En lui donnant mon cœur, j'ai changé de chemin. J'ai mis l'ancienne vie derrière. Il m'a appelé maintenant son serviteur. La conversion, c'est une chose. Et l'appel, une autre chose. On est converti. Et après la conversion, vient l'appel. C'est mon histoire. C'est pour ça que j'ai commencé avec mon histoire. Quand on dit appel, ça dit que quelqu'un dit viens. Et puis dit, toi que j'ai appelé là, voici ce que tu dois faire. Va. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien compris? Je vais terre à terre pour vous faire comprendre les choses de Dieu. J'ai employé les mots français terre à terre pour que tu puisses comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne une mission. Chaque homme de Dieu qui se reconnaît dans son appel, Dieu lui a parlé. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu ne peux pas le servir. Non, ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Si Dieu ne t'a pas appelé, et que tu veux faire comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Jésus, tu vas échouer. L'appel, ça ne s'imite pas. C'est divin. Dieu t'appelle. D'une manière ou d'une autre. Que ça soit ensemble, en songe, que ça soit d'une manière audible, prouver que tu serais convaincu qu'il t'a appelé. Quand il t'appelle, il te donne une mission. Amen. Sauf cela, dans chaque gouvernement d'un président de la République, on dit qu'il a nommé, c'est un appel, il a nommé les gens. Je vais vous parler terre à terre pour qu'on puisse comprendre. On vient de faire un remaniement. Ils ont mis un nouveau premier ministre. Il a fait son gouvernement. Il a appelé des ministres. Chacun a un rôle. C'est comme ça. Dans Dieu. Quand Dieu appelle un pasteur, un prophète, un évangéliste, il lui donne une mission. Si tu n'as pas une mission, il faut renoncer à ton appel. Parce qu'on est appelé pour accomplir une mission. On n'est pas appelé pour venir danser. On n'est pas appelé pour venir regarder les gens. On est appelé pour accomplir une mission. C'est pour cela que moi, je suis dans ce village. C'est mon travail. Aller dans les villages. Évangéliser. Chacun à son appel. Je vous ai dit hier, mon appel était très divin. À point de voir Christ me parler, s'est révélé à moi. C'est cela que je n'ai ni peur, sans crainte. J'aime parler de Jésus. J'aime parler de lui. Sans peur. Ni crainte. Parce qu'il est vivant. Donc c'est pour dire, chacun a un rôle à jouer. Si tu es habitué à un pasteur, ah oui, il a fait pour lui. Mais quand tu vois ta vie, est-ce que tu es délivré? Parce que hier, avant de partir, j'ai posé une question à la famille. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais vous expliquer le rôle d'un prophète. C'est pas parce que ça n'existe pas. Ça existe dans la Bible.
Amen. Il a son ministère. Quand vous partez à l'hôpital, on vous voyez un médecin généraliste. Lui, il est là. Lui, il est trop fort dans les ordonnances. Non, lui, il est trop fort dans les ordonnances. Généraliste, il est spécialiste dans écrire des ordonnances. Quand on doit t'opérer, il écrit. Mais il dit, c'est pas moi. Hein. Va voir le chirurgien. Amen. Je suis docteur. Mais ta maladie là, je ne peux pas te soigner. Je peux écrire. J'ai vu que tu as fait ici. Celui qui peut te soigner là, c'est le chirurgien. C'est pour dire, dans le corps de Christ, chacun à son travail. Faut pas, on va se piétiner. C'est pour ça que moi je respecte tous les hommes de Dieu. Écoutez très bien. Quand tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, faut pas mal parler de lui. Ferme ta bouche et puis reste tranquille. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne rend pas un faux témoignage. Un faux témoignage, c'est-à-dire que tu ne connais pas. Tu as appris en. Tu n'as pas vérifié que tu parles, tu es un sorcier. C'est antibiblique. Parce qu'il faut dire, je dis. Quand tu n'as pas de preuves, ferme ta bouche. C'est cela que le chrétien a sa manière de vivre et le païen a sa manière de vivre. Le païen, il ne se base pas sur les chrétiens, ne se basent pas sur les ont dit. C'est ça que la Bible dit, ne juge pas. Donc, je vais t'enseigner les choses terre à terre. La Bible, il ne faut pas juger. Vous avez dit, mais le prophète même, pourquoi il vient, il a peut-être que d'autres vont dire robe. Il préfère robe. Pourquoi il a une robe qui c'est rouge? Beaucoup de gens posent question. Donnez la Bible. Je suis en train de préparer un doctorat en théologie. C'est une Bible. Je connais juste en licence. Je prépare le doctorat. Parce que la seule chose qui m'a intéressé, quand il a connu Jésus, la théologie en grec veut dire connaissance de Dieu. Il faut mieux le connaître pour le servir. Donc quand il m'a appelé, je suis étudiant. Je t'ai montré où il y a une neveu Toge. J'ai été le premier pasteur évangélique à porter Toge. Depuis 2007. Donc, il est comment on dit que le monsieur là? Est-ce que c'est pas un féticheur? Est-ce que c'est pas un mystique? Dieu, il choque les gens. On ne peut pas le cerner. Jean-Baptiste, il portait quelle peau? On dit l'état habillé en peau de chameau. Si moi je venais en peau de chameau, t'allais me dire que lui il a un petit chien. Oh, Jean-Baptiste a porté peau de chameau. Il buvait miel et puis il mangeait sauterelle. Donc, si tu ne connais pas, il faut rester tranquille. Les questions que tu poses là, ça va te montrer ça. Amen. C'est mon habit de travail. Je sape très bien. Je porte bon chaussures. Je porte bon costume. Quand un juge veut te juger, il porte une toge. Habit noir. C'est consacré. Le noir, c'est pas mort. Ça veut dire autorité. Écoutez très bien. Les couleurs là, vous ne les maîtrisez pas. Or, celui qui est le maître des couleurs, c'est Dieu. Personne ne peut lui arracher ça. Les gens qui voient les couleurs, ils attribuent ça au diable. Oh, le diable, c'est un usurpateur, c'est mon cœur. La couleur rouge que vous voyez là, ça veut dire la vie. Est-ce qu'un pharmacien peut fabriquer le sang? Je vous pose la question. Est-ce qu'un pharmacien peut fabriquer le sang? Hein? On dit le mort de l'anémie, personne. Quand on veut faire le sang, on prend le sang de quelqu'un d'autre. Vous nous mettez personne. Oh, la couleur du sang, c'est quoi?
Non, répondez. Oui. Oui. Pour vous faire comprendre, oui. Quand vous voyez, je vous ai troublé, non? Je vais vous expliquer. Le Saint va. Oh, la Bible nous dit dans Apocalypse, nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Le sang, c'est quelle couleur? Le sang, c'est rouge. Le sang, c'est rouge. C'est ma tenue de maréchal. Maréchal de la brigade à tout sorcier. C'est ma tenue de maréchal. Si tu as peur de sang, c'est vite par un fouet. Ouais. Parce que quand un bandit voit un policier, il fuit. Pour reconnaître un policier, c'est sa tenue. Donc si ma tenue t'effraie, bon, tu es baillé fou, il vient te faire délivrer. Hein? On va enlever les dents qui mangent là, on te délivrer. Il faut que j'explique. Vous savez que depuis hier, j'explique qui je suis. Donc si tu continues mal parler de moi, il aura un jugement sur toi. Je vais comprendre que tu sais rien de moi. Donc je me présente à toi. Je t'ai dit hier, comment je suis devenu chrétien. Et en même temps, hier, je t'ai dit comment je suis devenu homme de Dieu. Maintenant, je vais te parler pourquoi les portes rouges. Sinon, costume, là, il a fini ça. Moi, je porte veste de 600 000. La chaussure, je porte là. Ça fait 1500 euros. Ça fait 1 500 000 francs. Ça fait 1 million. 1500 euros, ça fait 1 million. Et bien parce que j'ai envie de jouer des potes ça. Isaïe 63. Est-ce qu'on peut lire un peu? Celui-ci qui vient dedans, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant, avec fierté, de la plénitude de sa force, c'est moi, qui ai promis le salut, qui a le pouvoir, de délivrer. Pourquoi tes vêtements sont rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme, donc le peuple, n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements. Amen. Amen. Je les ai écrasés. Et le sang a jailli sur mes vêtements. Poursuis la lecture. Vas-y dans la lecture, monsieur. Le sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai sué tous leurs habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venu. La tenue de combat. Est rouge. Amen. C'est ce passage-là. Une nuit je dormais. Et le Seigneur m'a dit. Tu porteras une touche rouge. Parce que tu es le maréchal. De la brigade. Voilà d'où vient ma robe. Allez, c'est des touches, je ne vais pas comprendre. Voilà d'où vient ma robe que je porte. Amen. Voilà, voici la signification de ma fameuse robe. Un juge qui ne porte pas sa robe pour aller, ils vont le chasser. Vous avez dit, mais non, mais le pasteur. Non, chacun a eu un message. C'est ça que j'en ai dit ce soir. Chacun sait ce que Dieu lui a dit. Donc tu ne peux pas prendre l'exemple de celui que tu connais et puis m'associer à ça. Non, je suis désolé.
Ça veut pas dire s'il ne porte pas, il n'est pas pasteur, non. Ça montre que la chose Dieu a parlé. Est-ce que vous avez vu parmi nous tous quelqu'un porte un robe comme moi? Vous avez vu tout le monde porter robe? Ça montre Dieu a dit porte ta robe. Vous avez compris? Donc, connaissant la parole de Dieu, dans le réma et la logos. Le réma que j'ai reçu là, c'est moi seul. Donc je ne fais pas de ça une doctrine. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu parle et qui font de ça une doctrine. Il y a des deux dans leur église, tout le monde porte blanc et tout ça. Non. Ça veut une secte. Moi, c'est à moi Dieu a parlé. Je suis responsable d'une église évangélique. L'église pentecôte authentique. Nous sommes pentecôtistes. Je suis d'une église pentecôtiste évangélique. Donc, nous marchons selon des données et les principes bibliques. C'est cela que je t'amène à comprendre ce que je fais. Parce que je te pose beaucoup de questions. Voici pourquoi il n'y a pas de robot. On a compris. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Vous voyez, prêtre porte habit blanc. Ça vous dit rien, non? Pour moi, là, c'est ce qui vous dérange. Je vous ai dit où j'ai vous ai quitté. Moi, je porte pour rouge. Sinon, je m'habille. Je suis en service. C'est ça que sinon, je porte chaussures. C'est pas parce qu'il porte robe qu'il porte. Je porte robe, mais je porte chaussures. Je porte une croix. Mais ma croix est vide. Elle n'est pas Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est symbole de la souffrance de Christ. Jésus a fait. Et nous devons prêcher la prédication de la croix. L'évangile nous amène à prêcher la prédication. Jésus est passé par une souffrance. Mort, il est ressuscité. C'est des symboles. Jésus fait. Au contraire, oui, a tingéli. On va bien compris. Hein? Amen. J'attends pas la amen. Amen. Hein? Amen. Amen les petits. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Merci le chef de famille. Yeah. Et merci de nous avoir invités. Yeah. Nous yeah. sommes là yeah. pour vous aider. Pour vous aider. Hier, yeah. j'ai fait exprès pour demander quels sont vos sujets. Vous et moi, vous tous, vous êtes conscients d'un problème. Les gens meurent. Ils ont des diplômes. Il n'y a pas de solution. Les gens n'avancent pas. Ce n'est pas prière. Si c'est prier, vous tous vous priez. Pourquoi c'est pas réglé? Attends. Pourquoi c'est pas réglé? Ok. Jésus. C'est pas partout la prière. Je vous enseigne ça tout à l'heure. Il y a des choses où on prie. Il y a des choses où on agit. Il y a des choses où on prie. Il y a des choses où on agit. Donc je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Sinon si les jeunes vous avez gêné, vous gênez, vous priez, vous partez à la messe, vous partez, vous faites les prières. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi? Amen. Parce que il n'y a pas encore eu une action forte pour détruire ce qui est en train de se faire. Jésus dit, à mon nom, vous imposerez les noms malades. Ils seront guéris. Mais en même temps, vous chasserez les démons. C'est pas la même chose qu'on fait. Quand on prie pour un malade, on impose les mains. Mais quand on doit chasser un démon, on leur donne de partir. C'est pas pareil. Amen. Les choses ne se font pas de la même manière. Les situations, vous voyez là,
C'est pas de la même manière qu'on les règle. Il y avait un monsieur qui était possédé, qui avait envoyé un enfant malade, possédé d'un démon. Et cet enfant-là, il avait l'esprit d'épilepsie. Pendant que les gens parlaient, priaient pour lui, le démon ne partait pas. Parce que Jésus a dit à mon nom, chassez les démons. Ils ont appliqué ça. Mais ils constatent que le démon ne sort pas. Donc ils vont poser la question à Jésus. Pourquoi les démons ils ne bougent pas de la vie de ce petit? Regardez la réponse de Jésus. Dans Matthieu 17, il dit tel sort de démons. Il dit, ce démon-là, il ne sort que par le jeûne et la prière. Les gens sont étonnés. Mais toi, tu avais dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, mais c'est vrai. Mais les catégories des démons, vous les chassez, il faut une autre méthode. Donc la méthode que j'ai eue de la part de Dieu pour venir reculer l'esprit qui vous fatigue. On ne dit pas amen. 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 Nous et les blancs, il y a une différence, non? Hein? Il y a une différence, si tu veux ou pas, c'est ce qui est vrai. C'est voilà. Donc on n'a pas les mêmes démons. Les blancs et nous. Nous n'avons pas les mêmes démons. Hein? Il n'y a pas un enfant au village ici qui est né qui ne s'est pas privilégié. Il n'y a pas. C'est voilà. Il n'y a pas un enfant au village qui est né sans être purgé. Tout le monde a purgé. Celui qui se purge et celui qui ne se purge pas, il n'a pas les mêmes démons. Parce que toi, ce n'est pas comprimé qui peut te guérir. C'est purgé. C'est tout. C'est la vérité, hein? C'est une fois, c'est ce que j'en ai dit, je comprends bien. Un blanc vient ici, un enfant blanc, il va tomber malade, il va pas lui. Si tu l'as purgé, il va mourir. Oh, lui, l'enfant qui est là, si tu l'as comprimé, il va tomber malade. Mais si tu l'as purgé, il guérit. Parce que le premier jour, il est né, c'est purgé, numéro 1. Numéro 1. 2 ans c'est numéro 2. 3 ans c'est numéro 3. Il a 60 ans c'est numéro 63. Chacun a son numéro et son numéro en fonction de son âge. On a tous les périgeois et périgeois. Souvent quand on voyage, on a ça dans nos valises. C'est la vérité ça. Donc je vous dis, c'est notre tradition. C'est comme ça que nous sommes nés. Les maladies, il y a les médicaments qui nous soignent. Et il y a les médicaments qui ne peuvent pas soigner les blancs. C'est notre nature. Donc on n'a pas les mêmes démons. Quand un noir naît, on fait slow sur la terre. Et on appelle les gens. Quel gens tu appelles? On dit tes parents. Mais il est où? Quand quelqu'un meurt, il est mort, c'est fini. Ce sont les ossements dans la tombe. Il a quoi voir elle et l'enfant qui vient de naître? En versant l'eau, vous faites libation. En appelant les ancêtres, vous appelez des esprits, des familles, pour venir posséder l'enfant. Il a un an, tu l'envoies, il dit non, il ne bouge pas. Il t'insulte. Il est têtu ou des cabris. C'est ça qu'il a dit. Quand quelqu'un, hier, il a demandé aux gens de s'aimer un jour. Gloire à Dieu, Dieu bénisse. Pas devant Crasso, devant Dieu. Quand quelqu'un ne s'aimait pas en genoux devant Dieu, c'est qu'il s'aimait un genou devant quelque chose. Quand il refuse de se mettre en genoux devant Dieu, c'est qu'il s'aimait un genou devant quelque chose.
La Bible déclare, tout genou fléchira devant Dieu. Nous sommes nés. Nous avons trouvé des traditions. Et ça a un impact sur nous. Ça a un impact sur nous. Parce qu'on m'écoute très bien. On m'écoute très bien. Calmez l'enfant, s'il vous plaît. Madame, je ne viens pas de nous. Amen. Les choses viennent de ce que les parents ont fait. On invoque les esprits. On appelle les esprits. Pourquoi? La seule personne que nous devons invoquer, c'est Dieu. Pourquoi on a une autre orientation? Un enfant né, au lieu de le confier à Dieu, on pense que c'est l'esprit de tel parent ou même de telle famille, notre famille, qui doit le protéger. Or la Bible dit, si l'Éternel garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. On ne peut pas confier la destinée d'un enfant ou même d'une famille à une statuette, à une rivière, à un arbre. C'est une abomination. Aujourd'hui, on est surpris qu'on a des malheurs en cascade. C'est le résultat de ce que nous avons fait. Parce que la Bible déclare, c'est que un homme sème, c'est qu'il moissonne. Si tu as mis manioc en terre, c'est manioc que tu as récolté. Pourquoi c'est maintenant nous crions vers Dieu? Pourquoi au départ, on n'a pas mis à la première place? Pourquoi? Tu m'as bien saisi. La Bible dit, c'est ce qu'un homme sème qu'il récolte. Quelle semence satanique est dans une famille, c'est des malheurs. C'est des séries de malheurs. Quand des séries de malheurs arrivent, ça prouve que il y a une main obscure, une malédiction qui est en train de frapper la famille. Bien sûr, il y a l'élément qu'on appelle la sorcellerie qui se met à l'œuvre. Est-ce qu'on a bien saisi? Et c'est flanquant, ça dit tout le monde, on le sait. Paf! Ça trompe tout le monde. Le malheur vient, ça frappe. Et ça se poursuit. Ça se suit. On ne sait plus mettre la tête. Parce qu'au départ, on n'a pas mis Dieu à la première place. Donc ça est là. C'est comme des hôtels. C'est comme des hôtels. Satanique. Dans la famille. Amen. Ce soir, cette nuit, je vous dirai tout à l'heure, chaque homme de Dieu a son ministère. Je suis là de la part de Dieu. Vous aidez, on dit Amen. On dit Amen. Vous aidez. Il y a des choses, tant qu'elles ne sont pas brisées, il sera difficile que vous rentrez dans votre bénédiction. Amen. Il y a des choses, tant que ce n'est pas brisé, vous ne pouvez pas rentrer dans vos bénédictions. On dit Amen. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu? Nous prenons la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Juges, le chapitre 6, à partir du verset 25. Juges, le chapitre 6, à partir du verset 25. Comme je vous disais tout à l'heure, les esprits ne se chassent pas de la même manière. Ça ne se chasse pas de la même manière. Jésus dit, tel sort de démons, tel sort. C'est vrai que je vous ai dit, à mon nom, vous allez chasser les démons, mais ce démon-là, il ne sort que par le jeûne et la prière. Tu devais te poser la question toi-même.
L'esprit qui règne sur ta famille, il doit sortir par avec quelle méthode? C'est la question. Amen. Alléluia. Le prophète, c'est un homme de vision. Le prophète n'agit pas selon lui, mais selon les traditions. Il agit selon une inspiration qu'il reçoit de la part de Dieu pour régler un problème. Je suis venu régler le problème. C'est ça que le prophète, c'est un apporteur de solutions. Lui, quand il agit, c'est fini. Le pasteur peut venir prier. Ok. Mais l'intervention du prophète avec une action met fin aux difficultés. C'est pour ça que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, la Bible dit que cette personne ne perdra point sa récompense. Dieu ne joue pas avec le prophète. Ce sont les oreilles, la bouche et les yeux de Dieu. Je ne dis pas que les autres ministères ne sont pas utiles. Si, ils sont très utiles. Mais le ministère des prophètes, c'est un ministère d'action. Et il vient pour les actions. Jamais un prophète n'est venu et n'est-ce pas négocier. Quel prophète vient, c'est pour mener une action. Je sais que je suis là pour qu'une action soit menée, pour que les choses se règlent définitivement. C'est pas une question de prière. On est, c'est pas, c'est au-delà de la prière. Il faut qu'une action soit menée. Et cette action-là, on l'appelle l'action prophétique. Amen. Pour bien expliquer la chose, vous allez comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce que ça va? Depuis que je parle, je suis beaucoup attaqué. Je sens quelque chose qui veut serrer ma gorge. Je suis maréchal. Amen. Oui. Ils ont déjà préparé la poule au moment que je les rentre. Il y a quelque chose qu'ils ont fait contre vous. Ils savent que ça sera détruit. Mais en même temps, ce risque de ma vie, ils se disent, il ne faut pas que ça soit détruit. Amen. Cette année, il y a 5 personnes qui doivent mourir dans la famille. C'est ce qui nous a plus stimulé, motivé à venir. Pour mettre fin à ça. L'être humain, vous voyez là, il est trop sacré. On ne doit pas jouer sa vie. Non. Il y a des choses où on peut prier à distance. Il y a des choses. Il faut venir à la source. Tant que tu ne viens pas à la source, il sera difficile de régler ça. C'est pour cela que pour parfaire une délivrance, il faut venir à la source. Pour tuer un arbre. J'ai dit ça hier. Il faut tuer les racines. Je suis venu à la source pour tuer la racine. Et moi j'ai un don. C'est vrai que je suis attaqué. C'est fort. Depuis, ils sont en train de me donner des vertiges. Mais je suis quelqu'un, quand je ne suis pas attaqué, c'est comme je ne suis pas en train de faire mon travail. Ouais, moi, j'aime quand je suis attaqué. Quand il est venu, il dit, ouais. Je suis sur le terrain. Comprenez le diable, il joue son rôle. C'est un attaqueur. Lui, il attaque. Chacun exerce son ministère. Chacun fait son travail. Moi, je prêche la parole de Dieu. Et lui, il attaque l'homme de Dieu. Chacun au travail. Mais on va voir qui va gagner. On va voir
pas gagné. Nous prenons la parole de Dieu. Dans Juges chapitre 6, le verset 25, si vous y êtes, on fait la lecture. Vous allez écouter la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu, c'est une source intarissable. C'est cela qu'un véritable enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu. Ne négligez jamais la parole de Dieu. Sèche toujours au niveau de le chemin de mon lit. Quand je finis de prier, je lis d'abord la parole de Dieu avant de sortir de ma maison. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de foutou seulement. L'homme ne mangera pas foutou et sauce plala. L'homme ne mangera pas sauce foutou et sauce jumelé, mais aussi de la parole de Dieu. Amen. L'homme doit se nourrir aussi de la parole de Dieu. C'est cela que chaque jour, il faut s'alimenter la parole de Dieu. Vous qui ne connaissez pas lire, allez à l'église tous les jours. Allez à la messe, allez à l'église. Allez-y. Parce que si il n'y a rien en vous, ça sera grave. Lisez la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. C'est source d'inspiration. C'est dans elle que nous puisions pour apporter la victoire. C'est dans ça que David a puisé. La Bible dit que David est parti dans le torrent d'eau. Torrent d'eau, la parole de Dieu est symbole de l'eau, source de vie. C'est dans la parole de Dieu donc, que David a puisé. Il a pris cette pierre polie pour tuer Goliath. Les cinq pierres plutôt. Nous prenons la parole de Dieu. Juge 6. Dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Il dit, renverse le père de Baal. Qui est à ton père? Quoi? Qui est à ton père? Qui est à ton père? Et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu partiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher. Tu partiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Un hôtel à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Ah. Alléluia. C'est un vaillant guerrier. Gédéon était un homme intelligent. Gédéon était quelqu'un qui était béni. Et puis un matin, Dieu s'est révélé à Gédéon. Frère, le salut, il est individuel. Dans une famille, il y a un, Dieu a toujours passé. C'est comme ça. Ça a été toujours. Et généralement, ces personnes-là, elles sont victimes des attaques. Gédéon, quand Dieu s'est révélé à lui, il a dit, mais tu sais bien que je suis jeune. Tu sais bien, je suis faible. Et ma famille, c'est celle de Manassé. Elle est la plus pauvre. Elle est pauvre. C'est vrai. Elle est pauvre. À cause du fait que dans cette famille de Manassé, il y avait l'idolâtrie qui se pratiquait. Israël avait signé un pacte d'obéissance à Dieu. Avec signé un pacte d'obéissance à Dieu. Il dit, ma famille est pauvre. Mais oui, elle est devenue pauvre. Parce que cette famille, à un moment donné, s'est détournée de Dieu. Quelle famille s'est détournée de Dieu? Ce qui frappe cette famille, voici les mots et la pauvreté. Il y a le non-aboutissement. Il y a l'échec. C'est tout ça qui frappe la famille. Il dit, ma famille est pauvre. Dieu dit, c'est vrai, mais je t'ai choisi. Amen. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que tu es.
mais dépend de ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que tu es, mais de plus de ce qu'il veut faire de toi. Parce que Dieu aime le pécheur. Amen. C'est ce qu'il veut faire de nous, c'est ce qui est plus important. Pas ce que nous sommes en train de faire. Tu plais un sorcier. Tu plais l'homme le plus bandit de la planète Terre. Dieu peut te transformer. Il y a des gens qui disent que un sorcier ne change pas, c'est faux. Sorcier change. J'ai vu sorcier changer. Sorcier devenu pasteur. Dans mon église, il y a des pasteurs qui sont devenus sorciers. Sorcier devenu pasteur. Dieu est souverain. Tu n'es pas limité. Donc Dieu dit, je t'ai choisi. Mais en même temps, pendant que Dieu parlait à Gédéon, Dieu lui révélait quelque chose. La source de la pauvreté de sa famille. J'ai une raison, il y a une source. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'arriver et qui font que vous pleurez tout le temps. Qui font que vous n'arrivez pas à comprendre. Justement, on veut comprendre. Parce qu'on appelait à évoluer. Quand on met quelqu'un à l'école, son rendement, c'est le succès. C'est un investissement. Et quand on voit que c'est pas le, c'est le contraire, mais on est inquiet. Et c'est tout à fait normal. Je veux comprendre. Mais Dieu, il y a une source. C'est qui a envoyé cette pauvreté dans la vie de Gédéon et de sa famille. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Alors quand Gédéon a accepté l'appel de Dieu, Dieu va lui dire, va et détruis l'autel de Baal dans la maison de ton père. C'est là où tu es sorti. D'où tu viens. Il y a quelque chose là-bas qui agit sur toi. Il y a quelque chose là-bas qui a un impact sur toi. Il y a quelque chose là-bas qui a une influence qui a ta pauvreté, qui massacre ton argent, qui te donne des problèmes de maladie, qui te donne des problèmes à ne pas finir. Va et détruis. Avant que Gédéon ne s'élève. C'est la source que Dieu a demandé qu'il fasse. Amen. Ce soir, il faut que une action soit menée dans cette famille. On a prié. Okay. Une action doit être menée. C'est plus une question de prière. C'est une question de Gédéon doit agir. Est-ce qu'on comprend un peu mon message? Sinon Dieu allait dire prie. Sinon Dieu allait dire envoie une offrande. Non, Dieu lui dit va et détruis. Amen. Va et détruis. Il y a des choses. On n'a pas besoin de prier. On a besoin de détruire. Nous sommes venus ce soir. Détruire ce qui vous maintient dans la pauvreté, dans la maladie, dans la mort prématurée. Nous sommes venus détruire cette présence. C'est ça que nous sommes là. Si ce n'est pas détruit, vous allez continuer de pleurer. Bien que vous fréquentez les églises, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Frère, vous avez fait ce que vous n'avez pas fait, ce que vous devez faire. Dieu lui-même pouvait détruire l'autel. Dieu lui-même pouvait descendre pour briser l'autel. Mais ça comblait là. C'est-à-dire que c'est Gédéon qui doit le faire. C'est quand ils sont allés chercher les esprits. Amen. C'est quand ils sont allés chercher, il va y briser. Ce soir, nous allons briser quelque chose qui va régler quelque chose définitivement dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Qui va nous délivrer définitivement. Je sens que je suis beaucoup attaqué ce soir. Mais ça va aller, amen. Je suis convaincu que tu seras délivré. Amen. Je ne sens pas qu'on dit amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne sens pas qu'on dit amen. 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 Amen.
tiens quelqu'un, tu seras délivré. Alléluia. Amen. 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 Tu seras délivré. Amen. Je vous dis, c'est un combat. Le fait qu'il soit ici, c'est pas tous les hommes de Dieu qui se déplacent pour venir dans le village. Non. Ils vont venir. Ils vont caresser la sorcellerie. Or, la sorcellerie n'est pas faite pour caresser. La Bible dit de dénoncer les parties du diable. Le diable, il est ce qu'il est. Un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat. Il faut dire son nom. Et ce qu'il fait. Il stoppe ses œuvres. Ce n'est pas tout le monde qui vient. Moi, ce soir, ils ont dit, les esprits ont dit, parce que vous, il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont préparé quelque chose contre moi. La chose qui est en train de vous détruire, c'est elle. Mais ça sera détruit tout à l'heure. Mais à tout bout, il y a tout le monde. Vous me regardez. Amen. Allez, alléluia. Quand Dieu disait Abraham, vous serez délivré. Je vous conduirai à Canaan. Personne. Et prenez ça comme un amusement, comme des poètes. Ouais, comme des histoires. Qu'on constate toujours. Le Dieu d'Israël viendra vous délivrer un matin. Et voyez ça comme des histoires. Amen. Oui. C'est comme ça. Parce qu'on est tellement fatigué. On a tellement prié. On attendait tellement ce jour qu'on ne pense même pas que c'est maintenant. Voilà, Dieu, souvent, ce qui fait nous surprendre. Dieu aime surprendre les gens. Amen. Il aime surprendre les gens. Amen. Je suis convaincu que tu seras délivré. Dis à quelqu'un, 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 tu seras délivré. Amen. Qui croit sa délivrance? Amen. Qui croit sa délivrance? Amen. Dis à quelqu'un, tu seras délivré. Voilà, quelque chose. Mais ça va aller. Dis à quelqu'un, tu seras délivré. Dis à quelqu'un, tu seras délivré. Avant moi, je vous ai dit, je sens une attaque bizarre. Dis à quelqu'un, tu seras délivré. Dis à quelqu'un, ce soir, tu seras délivré. La sorcellerie sera écrasée. Qui croit ça? Qui croit sa délivrance? Sa délivrance. Amen. Amen. Dieu a quelqu'un. C'est ça. Dieu va te délivrer. Amen. 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 Dieu a quelqu'un, Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen. C'est l'heure de ta délivrance. Amen. Je sens que les esprits ne sont pas contents. Mais ils vont nous lâcher. Ils vont te lâcher ce soir. Il y a des choses qui ont été faites sur cette famille qui est en train de tourner dans la cour. Et aujourd'hui, la chose est destinée contre moi. Je te vous tue là. Ils ont placé ça contre moi. Mais je suis un maréchal. Je vais m'en sortir. Et si je m'en sors, c'est que tu seras délivré. Amen. Amen. Depuis que je suis là, je sens des attaques. Mais c'est le jour où Dieu va te délivrer. Les attaques sont tellement fortes. Mais tu seras délivré. Amen. On peut donner un cantique.